Bonjour, bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez, du coup, bah, cet épisode de... Épisode combien déjà maintenant? C'est épisode 12, si je me trompe pas, de la campagne, ou l'épisode 13, je sais plus. Du coup, de la campagne, ou sur Medieval de Total War avec le mode Stainless Steel, comme à chaque fois, où on galère avec ce qui se passe dans l'Empire. On joue avec la France, pour rappel. Et du coup, bah, on va continuer la campagne. Alors, dans l'épisode précédent, on avait eu des révoltes paysannes qui avaient bien fait chier. Bon, voilà, hein, révolte paysanne qu'on a maté à coup de auto-win parce que flemme, parce que flemme. Voilà, il y a un moment donné, c'est bon, il y en a ras le cul. Et Mon roi, on essaie toujours de non, cramer je ne peux pas faire ça, mon roi. ces merdailles. Oui, On a seigneur. une flotte avec des troupes pour faire chier les Anglais, mais on sait que les Anglais ont une putain d'armée, ce qui est chaud patate, et qui vont certainement aller nous conquérir à vitesse grand V. Et qu'on n'a pas de thunes. Et qu'on n'a vraiment pas de thunes, et que ça pue du cul. On a perdu Marseille lors d'une révolte en plus, on a perdu Ajaccio qu'on avait conquise, aux manies siciliens. C'est la merde! C'est pas une campagne on va gagner pour moi. Sauf si je commence à faire le code de triche pour aller code de triche de type construction rapide et thune. Bon bref, comme Croiseur, d'habitude. l'ennemi Oh attaque. merde, ils attaquent la flotte où j'ai mon armée dedans. Repli! Nous devons quitter le Oh putain, combat. repli! L'ennemi nous Oh, ils ont montre encore son survécu! entier. Putain, mais ils réattaquent L'ennemi encore! nous attaque. Tous les hommes à leur poste. Mon roi, nous devons. Nous allons établir le campement ici, seigneur. Putain d'anglais! Putain d'anglais! Process CQ, Paris, exactement. Le fameux code, le fameux code. L'ennemi est à nos Ah portes putain, je viens de et perdre notre mon flamme noble. continuera de flotter. Non. Non. Je viens de perdre un noble et une armée de mercenaires avec des troupes dedans. Oh l'enfer. Qui c'est qui est mort du coup? Oula, j'ai récupéré plein de thunes d'un seul coup, bah, en même temps. Émeute à Paris, mais ils me font chier que leurs émeutes. Qui est mort du coup en mer? C'est où? C'est marqué où? Ah ouais. Renaud Reynald l'affligé est mort en mer. Oh quelle merde. T'es sur le point de perdre ou pas? Ah bah, enfin sur le point de perdre, je sais pas, mais en tout cas je suis pas parti pour gagner là. C'est. Ouah. Bah, il va me falloir des bateaux, hein. Faut que je défende mes flottes, moi. Non, mais peut-être que la France a subi l'aide divine de la console de commande, on sait pas. Oui! Nous sommes la petite fille de l'église. Exactement, hein. Donc, vive la France. Non mais putain, mais les révoltes à Paris, pourquoi des révoltes à Paris? Qu'est-ce que tu viens de péter les couilles avec tes révoltes à Serviteur de Paris? Dieu, Et ils font quoi les nous inquisiteurs, devons là? Les inquisiteurs, pourvoir. là? Allez pourchasser Serviteur de les Dieu, hérétiques, il y en a partout nous sur mon devons territoire, pourvoir. putain. Mon roi, par la grâce C'est de Dieu, Dieu! Putain, regardez-moi ça, une armée Serviteur d'hérétiques. de Dieu, qui a commis Ah un putain, il s'est meurtre sur converti, mon roi, l'autre. quel Traître... roi suspecte-t-il d'hérésie? Ah! S'il se Mon coupable, hérésie! Dieu nous le montrera. Hérésie, oh mon hérésie. Serviteur de De Dieu, Dieu. qui devons-nous Convertis-moi ça. prendre? Ah, voilà, ça c'est un bon évêque. Voilà, Arthur d'Artois, c'est bien. T'es bien Arthur. Voilà, plus un de piété. Mon T'es comment roi. toi niveau pété? Ah, voilà, c'est bien. Lui va faire mal au cul. Bon, le château là, bah, on a perdu toutes nos troupes au sud à cause de la révolte à Marseille. Bah du coup, le duc de Lyon, bah, il va falloir qu'il défende sa place forte, hein. Duc de Clermont, bah il est là et il tient le coup pour l'instant. Oh putain de sa À cette mère! parole, Oh, il a la une armée de foule mercenaires, mais hurle. c'est quoi ce bordel? Bon, je sais que pour l'instant, Bordeaux, concrètement, c'est littéralement le château qui se fait assiéger tout le temps dans la campagne, mais qui tient le coup? On tient le coup à Bordeaux. Ah putain. Ah putain. Bah, vous savez quoi? Regardez, aide divine! Les évêques chassant les hérétiques, je m'imagine toujours le scène Gandalf entre Saruman qui se meule la gueule. J'aime bien l'idée. Eh, vous savez quoi? Attendez, on va faire un truc. Oh là là. Oh, mais que fais-je donc? Ah, mais vous ne voyez pas derrière l'écran. Ah! Vous savez pas ce que je fais du coup. Mais non, vous savez pas. Oh là là! Vous voyez pas du tout ce qui se passe en bas à droite de l'écran? Absolument pas. Hein. Il s'est rien passé. Hein. Voilà. Tout va bien. Hein. Pouf! L'aide divine. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh! On sait pas. On sait pas ce qui se passe. Voilà. Aide divine. Oh là là! Oh là 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 là, oh là 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 là, comment ça, je me donne un petit coup, je me donne un petit coup de pouce, n'est-il pas, hein? Oh là là, je peux construire notre, oh putain, en bâtiment spécial, je peux construire Notre-Dame? Attends, what? C'est bien ça, il est bien ce mode.
Bon, et la révolte, là, ça va se calmer, là, maintenant? Hein? Hein, les révoltés, là? C'est parce que j'ai une tonne d'hérétiques dans la ville, c'est pour ça que ça part en sucette. Notre-Dame est construite, voilà, regardez, nous avons Notre-Dame. Regardez, elle est magnifique, elle est là. Notre-Dame, voilà, bam. Voilà, nous avons Notre-Dame. Nick. Voilà, regardez. Oh là 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 là. Oh là là, mais que se passe-t-il? Nous avons de l'argent dans les caisses. Oh là là. Pouloulou. Ouh le lalou. Ouh lilalali. Oh là là. Mais que se passe-t-il? Oh, mais que vois-je? Oh, de l'argent. Que vois-je? Ouh loulou. Je crois que vous savez quoi, je vais juste mettre le... Voilà, on garde juste l'argent et on continue de construire des bâtiments. Voilà. Tout va bien. Si je vais bien, c'est Juvamine. N'est-il pas? Vous avez rien vu? Il se passe rien du tout. Voilà, je fais pas la campagne. Bah oui, mais je joue le jeu. Regardez, hein, tout va bien. Hein, regardez, j'ai plein de bâtiments là que je construis au fur et à mesure. Regardez. Hein, regardez, je suis fort. Hein, je suis très très fort. Je dis, I am powerful. Very powerful. Oh, okay, je peux recruter des gars? Oh là, je peux pas. J'ai pas. Mais oh là là. Ouh loulou. Quoi que vous remarquerez, tout l'argent que j'ai mis, j'ai plus de thunes maintenant, ça y est. Ça y est, j'ai plus de thunes. Mais pourquoi mon mec à moi, connard? Mais t'es con! Je les envoie chasser l'hérétique et tu butes mes moines! Mais j'attire foutre! Et plus drôle en trichant, hein. Comme, oui, c'est ça. Bah après, oui, c'est sûr, les Total War et les Hearts of Iron sont plus drôles avec de la triche. Oui, mon roi. Nous allons raser les fortifications. Et voilà les Aragonais qui viennent nous casser les couilles. Encore. Jamais ils nous lâcheront, ces fils de pute. Hein. Jamais. Ces coureuses de rempart à la con. Le roi de Norvège est mouru. Oh non. Nous sommes assiégés dans deux châtals. N'a plus l'âge d'enfanter. Oh non, on l'a foutu. Oh. Au revoir, Denise. Paris, Reims. Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'énerver? Bah enfin si, je suis con, c'est les révoltes quoi, c'est voilà. Bah oui, c'est les hérétiques foutent la merde dans mon royaume. Putain, mais j'ai trop d'hérétiques, c'est quoi cette merde? Jacqueline de Mello n'a plus l'âge enfanté non plus. Tous nos enfants n'ont plus toutes nos femmes n'ont plus l'âge de... d'enfanter. Mon roi. Combattez l'hérésie au sein même du royaume. Défendez. Combattez l'hérésie! La papauté vous ment! Putain, puis j'ai des armées de révoltés partout, mais. Ah! Crame-moi ça! De précieuses marchandises. Vous êtes l'un de nos meilleurs partenaires. Oui. Seigneur! Et voilà, regardez, il a mis les Génois, les Aragonais, manquerait plus qu'ils soient alliés, ces connards. Putain, mais c'est qui cette armée? Cherchez-vous l'affrontement? C'est l'armée de qui, ça? Mais j'en ai marre! J'en ai marre, cette campagne, elle pue du cul! On n'arrive pas à s'en sortir. Et puis là, j'ai laissé du monde, mais normal. Faut bien que j'empêche les Anglais d'aller par là. Ah. Oui, Jeanne au secours. Comment ça, le Luxembourg a conquis l'URSS? Ça, c'est quand tu fais annexer. Tu fais le code annexé et c'est parti. Le code annexe. Putain, mais cassez-moi pas les bourses! Ah, bah ça, c'est que la. Ah, si! Oh putain, ils ont une unité comme ça! Ah, elle va faire mal! Ok, on va faire ce qu'il faut. Oui, mon amour, bonjour. Hein? Pardon? J'ai trop de bruit. Ya! Yeah. Eh ben, on ferme la porte comme ça, il y aura moins de bruit. Hop! Alors, on se fait re-assiéger. Ça va être heureux la merde. Ah, mais j'ai des arbres étriers dans le tas, j'ai pas vu. Allez. Du coup, ils ont une tour ici. Ils ont fait une tour et ils ont des échelles, ok. En avant. Les archers là, on va tenter de cramer leur tour. Les arbres étriers, je les fous juste là. Des bougies ici en balle avec les. Avec les.
Avancez, 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 avancez. Hop. Bouge ton cul, enculé. Ok, bah à partir de là, bah on se démerde. Voilà. Alors, flèche de feu. Flèche de feu, on vise la tour. Flèche de feu, on vise la tour. Ah, cramez-moi ça, cramez-moi ça, allez, allez. Cramez-moi cette tour. Cramez-moi les béliers avec et tout. Allez les archers là, au boulot, au boulot. Genre ils sont pas à portée. Ils me disent qu'ils sont en train de tirer, mais ils vont tirer où? Mais elle va où cette tour? Visez ça. Visez ça. Allez les archers au boulot. Si on arrive à foutre le feu à cette merde, ça peut être pas mal. Allez. Allez, allez, crame-moi ça. L'ennemi dresse ses échelles contre nos murailles. L'heure du carnage a sonné. Ah bah tu m'étonnes, surtout que là je vais me bouffer littéralement des... de Zalmugavar. Ok, bon c'est pas des troupes non plus fameuses. Ah j'ai masse de troupes qui attendent sur les murs. Venez, on vous attend, salaud. Allez voilà, cramez-moi ça, cramez-moi ça. Allez, on essaye de cramer ça, là. Allez, hop, hop, hop. Mes archers là-bas, ils sont inutilisables. Inutiles, ils sont. Ah, attends. Si, là. Là. Cramez-moi ça, j'ai dit. Cramez-moi ça. Ah, voilà. Ça commence à vouloir venir. Bon, ok, mes archers n'ont plus la possibilité de pouvoir faire ce qu'il faut là. On va essayer de cramer la tour, s'il vous plaît. Le bélier. Cramez le bélier. Cramez le bélier. Cramez ça là, voilà, voilà, cramez ça. Ça aussi, essayez de le cramer, voilà. Essayez de le cramer. Essayez, essayez de cramer ça. Essayez. Mon dieu, l'ennemi tente d'enfoncer nos portes. Le bélier prend les dégâts. Ah, la porte. L'ennemi monte et meurt dans la foulée. Presque meurt dans la foulée. Attention le tirami les gars, attention. Voilà, ça brûle. Brûlez-moi ça. Brûlez-moi ça. La tour de siège ennemi a atteint nos murs. Du bruit, mais brûlez là. Brûlez là. Je peux sortir ou pas là? Je peux forcer la sortie. Non, je peux pas, oui je peux. Cramez la tour, cramez la tour. Ah je peux pas parce qu'ils sont déjà à la... Ah mais du coup je peux pas sortir parce qu'ils sont à la porte. Ah c'est chiant. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de relive là? Mais c'est de du matin, du mardi. Sur ma vie par contre, je vais pas tenir comme ça hein. Et quoi? Avec ce que tu gueules tous les putains de matins. Ah, oh, si je ferme la porte, ça va. Puisque là, j'avais laissé la porte pour les chats, pour pas qu'ils viennent t'embêter. Ah oui, c'est pour ça aussi. Désolé. Et moi, là, ça va pas. Alors tu coupes et ça va pas. Je ne vais pas bien, là. Ça va pas. Je peux pas couper, là. Faut que j'aille... Faut... Yes, ça ne va pas. Bon. Petite pause.
minuit, ça oui. Ça, non, mais je ne peux pas avoir jusqu'à 1h du matin et répondre à minuit. Justement, tu leur dis. Par contre, vous pouvez pas faire des mails à ultra tard, parce que concrètement, je bosse pas, je dors. J'ai une vie après. C'est que tu veux que tu lui enlèves. Je veux une brassière. J'ai rien. Chut! Là concrètement, là, t'as remarqué que t'arrives à faire un déco. Tu sais comment agir face au con. Ça fait chier, mais bon. Ça va le faire. Voilà, interlude fini, ça va le faire. Tac. Re. Ça se passe très bien. Là, non, ça se passe pas du tout bien. C'est la merde. Mais cramez-moi cette tour, putain! Cramez-moi cette tour! Allez! Avant que leur putain de chevalier crame sur les murs, sinon je suis foutu! Oh putain, ils vont réussir à passer. Ils vont réussir à passer. Ah, mes gars ont réussi à là. Ok. Ça bloque. Oh, et merde. Bon, bah, c'est la mort. Et voilà, mes archers sont foutus. Replie les archers, replie. Chevalier, grimpez. La troupe, on y va. On y va. Les archers ont fui. Les archers ont fui. On fuit. Prions pour que le cours de la bataille se renverse. Car la défaite semble inéluctable. Ouais, mes archers ont pris cher là sur les murs. Y'a d'autres gars qui veulent grimper sur le mur là? Non, y'en a pas d'autres. Ok, donc laisse un bataillon là-haut. Et l'autre il descend. En avant. Vous, regroupez-vous bien. Le bélier de l'ennemi a détruit nos portes. Parfait, nos gars ont le réflexe d'attaquer. Bloquez-les! Ils ont pas d'autres troupes de fous là, donc je vais peut-être pouvoir les tenir. Salut sur Pora du coup. Ah c'est bien la tour, c'est bien, continue, voilà. On fait chier. Ah mais ils se replient du coup les gonzes. Bah allez, hein, j'envoie mes gars, hein, ma cavalerie lourde va faire des dégâts, allez en avant. On fait une sortie. De toute façon c'est que des troupes de merde qu'il y a en face maintenant. Hein. Bon après dedans, il y a quand même de la milice mais... En avant. Allez. Ok, mon autre bataillon qui va pouvoir descendre lui aussi. Allez, dépêchez-vous. La levée d'archers qui est là. Levée d'archers, on va se positionner s'il vous plaît. Allez. On se met près de l'entrée, on se regroupe. Mes tours que je possède toujours vont faire des massacres. Allez mon général en avant. Allez en avant, au combat. Eux ils sont en train de se faire fumer à coups de tourelles. Nos arbalétriers sont toujours là en train de tirer sur ce qu'ils peuvent. On a fait une sortie, c'est ce qu'il faut. On poursuit leur mec, allez. En avant! Pour le roi de France! Pour le royaume de France! Blablabla. Sois garde! Nous avons vaincu le général ennemi! Oh, il était dans le tas, tiens! Ces troupes vont perdre cœur! Ouais!
Bah voilà, bah c'est bien, on a gagné, hop hop, c'est parti, hop, allez hop, on massacre tout ce qu'il y a. Le gros de notre armée est encore en train de tanker ici. On envoie le reste, on fait une sortie. En avant! Bon bah ça va, évidemment. Est-ce là le signe que la victoire est proche? Massacrez-moi ça! Fais-toi de l'XP! Bah il est déjà au niveau max. Je viens de voir, il a déjà 8 d'XP. À l'attaque! En avant! L'ennemi est décimé de moitié. Moitié, fondons sur eux! Garde du corps du général! Bah, surtout que là, je fais plein de prisonniers dans ce coin-là. C'est. Allez, hop. On chope tout ce qui fuit. Tu. Encerclement! À l'attaque! La bataille fait rage. L'ennemi tente de se replier! En place. Mes archers, on va les foutre devant. Allez, voilà, c'est bon. On est bon, là. Après, les prisonniers servent-ils vraiment à quelque chose? Bah, dans le jeu, tu peux... Dans le jeu, les prisonniers... En fait, bah déjà, le simple fait de capturer, ou ce que j'appelle, moi, plutôt buter les gars, ça te permet de pas avoir d'armée qui se reconstitue sur la carte de campagne. Ça permet de ne pas avoir d'armée qui se reconstitue sur la carte de campagne. Et ensuite... bah les prisonniers, tu peux faire rançon. Donc la rançon, tu récupères de la thune, et ça c'est bien. Vous allez vous replier. Ma masse salariale est trop grande. Oui, j'ai dit ma masse salariale, oui. Replie les archers, on va vous foncer dessus, attention. Là sur les murs, ça continue de se battre ici. Ça continue. Si je peux bousiller son unité, ça c'est une unité qui coûte cher en plus, ça peut être bien. Non mais les ventes ça sert à rien, tu as passé prière à la sainte console. Oui c'est vrai. C'est vrai. Oh oui, la charge de cavalerie sur mon infanterie de lancier. Oh oui. Crevez comme des cons. Il en est où mon général? Là, il y a des mecs qui fuient. Chopez-les. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Tum, tum, tum. Redoublons de vaillance tum, tum. Et la victoire sera nôtre. Tum, 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 tum. Yeah, yeah, yeah. Oh non, la limite de la carte nous empêche de les rattraper. Triste ou net. Chopez ceux-là, voilà, ça se mieux. Bon live à demain, bonne show, bon merci, à demain, respawn. Tum, tum, tum. On va faire une grande ligne, comme ça on les chope au max. Badabam, badabam, bam, bam, badadam. Les arbalétriers depuis là-haut qui continuent de tirer. Mes archers ici qui allument tout ce qui essaie d'avancer. Allez, on les accueille. Bim, bim, bim. Tire croisé. Tire croisé. Bah non, demain, il n'y a pas de live. Oui, c'est vrai, je suis con, il n'y a pas de live. Pas de live le mercredi. Archers. Qu'aucun ne réchappe. Voilà. Voilà. Et voilà, ça se fait choper, ça se fait toper et ça meurt. Et oui, le mercredi, il n'y a plus de live maintenant. Parce que c'est grosse journée et puis je préfère maintenant me détendre tranquillement à la maison et à la rigueur bosser sur d'autres choses, mais je suis pas en live comme ça. Vous là, attaquez ces connards! Ah non, bah non, je suis con, pétez leur tour! L'ennemi est en fuite! Écrasons ces poursuivons la bataille! Ah, y'en a, ils vont descendre! Ils vont descendre! Regardez! On se met juste devant! Ils vont descendre ou pas? Attends. Non, non, ils vont pas descendre, ils sont buggés. On va, je pète la tour, hein, voilà, on pète la tour, voilà. Il est où mon chef? Pour le roi! Choper ceux qui courent vite. Choper les javeliniers. Tadun. 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 Au prochain live, alors bah ça sera jeudi soir. Jeudi soir pour parler du coup de l'épisode 5 des Anneaux de Pouvoir. Et ouais, c'est l'épisode 5 des Anneaux de Pouvoir. Et continuer ma découverte du coup du jeu Bilbo le Hobbit.
Ça, du coup, maintenant, ce sera le jeudi, ce sera plus le lundi, vu que le lundi, je réserve ça au... maintenant aux gros jeux, grosses découvertes et tout. Même si la semaine prochaine, ça va surtout être des lives bien Warhammer 40k Space Marine 2, là, ça va être... Allez, accélère le temps, cassez-moi cette tour. Les mecs ont réussi à s'enfuir, du coup, ils sont tous morts. Ah, ils les ont massacrés, ok. Mes gars, on n'a pas besoin de casser la tour, alors. Ils ont massacré les mecs. Oula, oula, merde, merde, j'ai raté l'unité. Non, non, je me suis endormi. J'aurais pas dû vous parler. J'ai perdu une unité complète. Non. Il y en a 62 qui ont survécu. Non. Bah, on peut avoir une petite victoire dans cette campagne, voilà, ça fait plaisir. Au moins une petite victoire, c'est mieux que rien. Rançonner. Ah, bah non. Et ben voilà, hein, on a repoussé un assaut. Ah, ah, regardez, des révoltes. On a encore perdu Paris et Reims. J'en ai marre. Regardez, je me disais aussi, je vois plus rien sur ma map, c'est normal. J'ai encore perdu mes villes. Alors, on recrute des mercenaires, ça coûte rien. Si, ça coûte de l'argent, mais voilà. Construction. Réussite de la mission, sécher les combats. Mais c'est pas moi qui attaque, c'est eux. Tu m'étonnes que j'ai des révoltes, ça n'arrête pas. Oh oui, plein de mercenaires. Voilà, fais-moi de la tunasse. Voilà. Prenez-moi d'assaut ce bordel. On va reprendre Paris, on aura le cul. Voilà, hein. Voilà. Nous assiégeons les forces ennemies. Nous frapperons à votre signal. Putain, j'en ai marre d'avoir des révoltes. Rendez-moi ma capitale. Il y a des hérétiques partout sur la map, ça m'énerve. Ils sont partout. Serviteur de Dieu, qui devons-nous juger, Seigneur ? Toi, meurs ! Voilà, bam ! Critique de merde ! Très bien, demain est un autre jour. Demain est un autre jour, je vais recruter masse de prêtres. Des prêtres partout. Mon roi ? Des prêtres partout. Serviteur de Dieu. Partout ? Envoyez les prêtres partout ! Là, il y a un connard ! Chopez-le ! Ça a raté ! Chopez-le ! Qui a commis le blasphème ? Putain ! Chope-le ! Qui devons-nous juger, démerdez-vous, mais butez-le. Ils sont coupables, du mon roi. Si ils sont coupables, Dieu, sois innocent, on se regarde. J'ai un mec à moi, là. Oh, je suis comment au niveau de ma famille, là, attends. Elle peut plus enfanter. Azalée de Brosse. Elle est où? Je l'ai pas. Ah, bah son mari est mort de la flotte, dans la flotte avant de mettre au monde, dommage. Elle a eu un enfant, du coup, Jacob Pote. Donc, ok. Qui a été marié. Là, ici, on a Colline de Sévry qui est avec sa femme Alice de Sévry, mais toujours pas d'enfant. Qui c'est qui est mort, là? René de Chauvigny est mort. Colline Pote. Philippe le Bâtard. C'est qui le roi actuellement, déjà, chez moi, là? C'est Prince Raymond. Ok, qui est le roi, là? Le roi Bohémond. Il est l'aîné principal, ça va. Ça va. Là, on a une autre lignée par la personne de Constance de Mello. Ah oui, elle s'est mariée avec Alphonse, et elle a eu le temps de faire des gosses avant que lui nous trahisse. C'est vrai. Et oui, c'est pareil, lui nous a trahis dès le début de la campagne. Mais il avait quand même eu le temps d'avoir des gosses. Un capet. On a bien les capets ici. La dynastie capet, capétienne peut continuer à travers Gauthier Capet. Et à travers Henri et Raymond. Ça, il y a quand même plusieurs héritiers, donc ça va, on n'est pas non plus dans la merdaille. À 100%, j'entends. Putain, j'en ai marre de perdre mes territoires. J'en ai marre. Quoi ? Quoi ? Putain, il m'a trahi lui aussi ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Mais j'en ai marre ! Mais c'est quoi cette campagne de mes couilles ? Mais c'est pas possible ! On a attaqué au sud, on a attaqué au nord, on a des révoltes chez nous, il manquerait plus que le Saint-Empire romain fasse bon, ok, tiens, t'es plus mon protectorat, maintenant tu te démerdes. Ça, c'est quel siège là? Ah putain, et c'est des bonnes troupes en plus ça. Les noces pourpres tous les 4 matins dans ton royaume, hein, y en a un peu marre à force. Là, j'ai pas assez de force armée, le gars en face c'est qui en plus? T'es qui toi? T'es qui pour avoir autant de commandements? C'est chien, c'est gros chien de la casse. Les non mais je vais tricher ou non, il va en avoir à le cul, on va tricher comme un bœuf,
comme un benet, et puis voilà, on va pas se prendre la tête. Unité. On a re le même châtal, avec un peu de cavalerie, du coup. Ah oh, oui, je peux les foutre là. Ok, je peux les foutre là. Ok, je peux les foutre là, parfait. Donc les trois unités d'archers vont focus ici. Bougez. Voilà, mettez-vous là pour accueillir. Ça, c'est quoi, là? Des archiers. Yuji. Merde, j'ai Age of Mythology dans ma tête, là. Yuji. Bougez. Accueillez-moi tous ces connards sur les murs, là. Merci. Ah, il y a des archers, là. Des vrais bougiers dans le tas, là. Bougiez. Ça rentre, là? Non, ça rentre pas. Là, oui, ça rentre. Là, c'est quoi, là? Encore des archers. Putain, mais j'ai plein d'archers, en fait, dans le truc. Mine de rien. Mine de rien. Bougiez presque. Bougiez. Ah, mais il y a des archers là. Ah, mais il y a des troupes d'assaut partout. Je suis dans la merde. J'ai pas assez de troupes pour défendre les murs, moi. Ah, vraie question, cela dit, les murs de la forteresse ne sont-ils pas trop larges par rapport à la taille réelle des murs médiévaux? Ouais, tu retires un petit mètre. Ah, les murs médiévaux en termes d'épaisseur, c'était quand même à la base, c'était quand même à 3, voire 4, voire même 7 mètres d'épaisseur. C'est énorme, les murs des châteaux sont vraiment ultra épais, les gens, faut savoir ça. Archier. Ah, puis là, les archers vont se faire poutrer par les masses. Non, mais là, ça va être... Cramez-moi ça, hein, si vous pouvez. Là, c'est pareil. Là, j'ai trois bataillons d'archers. Enflammer cette merde. Enflammer le bélier. Cherchez pas à comprendre. Enflammer, voilà. L'ennemi dresse ses échelles contre nos murailles. L'heure du carnage a sonné. Ah bah tu m'étonnes. L'heure de m'en prendre plein le cul a sonné, ouais. Regarde-moi ça. Là, ils vont arriver ici. Y a personne pour les contrer. Là, ils vont arriver là. Il y aura du monde. Mais bon, c'est mes archives vont se faire défoncer, donc... Déplacement! Vite! Flèche de feu. Les flèches de feu, là, ici. Visez là. Allez. Putain, mais ça va rien faire. Ça, par contre, c'est le truc qui me saoule dans Medieval 2. Le fait de cramer les trucs, c'était vachement long. L'ennemi dresse ses échelles contre nos murailles. L'heure du carnage a sonné. Ah, bah là, tant pis, hein, les gars. Tant pis, hein, le bélier s'est perdu. On l'a perdu, on l'a plus. On l'a plus. J'aurais pas le bélier. L'ennemi tente d'enfoncer nos portes. Ah mais attendez, ici, il y a des mecs, là, ils sont tout seuls. Tuez-les. Tuez-les, allez. Oh putain, mais... Quoi, il envoie toute son armée à un seul endroit, c'est une blague? Bon, les archers, redescendez. Vous allez là-bas, dépêchez-vous. Vous, dès que vous pouvez, bah, vous faites une sortie, hein, voilà. Prions pour que le cours de la bataille. D'accord, eux ils tirent même plus, ok. La défaite semble inéluctable. Tire à volonté, allez, vous essayez de cramer moi ça, là, allez, cramez cette tour avec couilles. Cramez la tour. Quel enfer. La tour de siège ennemie est détruite. Hein? Mais oh oui! Ça réussit! Sans doute d'autres ruses. Ça réussit, parfait! J'ai réussi à détruire une tour, c'est mieux que rien. Peut-être la deuxième ici. Regardez-moi ça, ils envoient. C'est l'infinité. Infinité de troupes! Ils veulent m'enculer! Genre, vraiment!
Repoussez-les! Allez! Allez! Les archers, ils sont là, ils font rien! Bon, ils sont sur le point de se replier. Je pense que du coup, là, ta question, Zapipito, m'a donné une idée là pour faire une vidéo d'ailleurs. Non, Zapipito, effectivement, c'est pas la bonne période. Massacrez-moi ça. Malédiction. Eh merde. Le bélier de l'ennemi a détruit nos portes. Ah mais attends une seconde. Là j'accueille des mecs, mais comme ils ont tous... Tout l'assaut de l'ennemi s'est concentré vers mes échelles. Tu pourras les contourner. Oh, je réalise un truc là. Je pourrais les contourner. Nous sommes sous attaque. Eh, ils m'ont repoussé sur les murs. Ils me repoussent sur les murs, les salauds. Ah oui, leur général est là. Oh merde, mais ça crame mes hommes. Ça crame mes hommes. Bande de cons. On envoie le général là-bas. Les mecs sur les murs ici. Mes flèches de feu continuent de tirer sur la tour là. Ok. Putain, mes troupes elles font pas le poids face aux hommes à la masse. Regardez-les, ils me contournent, ils veulent me contourner les salauds. Encore plein d'archers sur les murs qui peuvent aligner l'ennemi de partout, mais quand même. Oh, c'est chaud. Oh, ça y est, ils décident de faire des demi-tours partout. Massacrez-moi ça. Si je bute leur général, ce sera bon. De la bataille se renverse, car la défaite semble inéluctable. Garde du corps du général. Ouais, alors, en général, repli. Repli. Je ne peux rien faire, mes hommes ne sont pas assez... Ah, mais il y a trop de monde, en fait. J'ai beau avoir les tours, c'est la merde. Cramez la tour. Cramez la tour. Ne visez pas les mecs. Cramez la tour, j'ai dit. Soyez pas cons. Non, la question sur les murs vient d'une info que j'ai lue hier, que les murs médiévaux étaient trop fins pour résister aux boulets de canon, ce qui a poussé à faire évoluer les fortifications en forme d'étoiles parce que les angles, etc. Alors, c'est... Il y a encore plus de choses là-dessus. Les murs étaient même plutôt épais en bas et après ils montaient un peu en fin. Mais en fait le problème des murs médiévaux, c'est que bah, ça fait un beau mur de pierre, un beau mur de pierre et un tas de gravats. C'est ce qu'on appelle des murs en sandwich. Littéralement, c'est des murs en sandwich. Et le problème c'est que ces murs là, bah, les boulets de canon, bah, ils vont péter ça et le mur en sandwich va s'écrouler. En fait le truc c'est, enfin, c'est surtout qu'en fait les canons sont juste trop puissants. Oh oui, le général est mort. Le général est mort, a été abattu. Le truc c'est pas une question, voilà, ça m'en vient. Le truc c'est pas une question de mur pas assez épais. C'est une question de battez-vous. C'est une question de bah du coup les canons sont devenus trop puissants quoi. Les techniques d'utilisation de l'artillerie ont évolué. Enfin, y a plein de trucs à prendre en compte. Et puis là j'arrive pas à me concentrer du coup. L'éternel ou un coup de génie militaire pour arracher une victoire de cette débâcle. Ok, mes gars sont là, on redescend. En avant, descendez les gars, descendez. Descendez. Les archers continuent de tirer sur la tour. Ah oui, pendant ce temps-là, pensant en train de cramer. Mes archers sont partout, ils continuent d'aller les allumer. De partout où ils peuvent. Là, tirez sur eux là. Tirez sur eux là. Tirez sur eux là, allez. Là, bam bam, voilà, on tire juste derrière, c'est beau, c'est ce qu'il faut. En fait, tant que j'aurai autant de troupes sur les murs, je vais pouvoir tenir quoi.
Garde du corps du général. On tient la place forte. Au prix de lourdes pertes. Oh putain, ça y commence à rentrer. Tirez à volonté. Où êtes-vous? Vous continuez de tirer pour cramer la tour, d'accord. Oubliez la tour et cramez ce que vous pouvez dans le coin, tout simplement. Approchez-vous. Voilà. Ok, l'ennemi commence à se replier. On les retient. Quoique non, ils sont en train de canner, ok. On va vers la place centrale. Défendez la ville. Défendez la ville. Lord Farquaad, beaucoup d'entre vous mourront, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. C'est un corps dans le film Ivanhoe. Quoi? Ah, le son? Oui, il me semble que c'est ça. Massacrer les fuyards! Bah, c'est bon, on va gagner, hein. On va gagner. Ça veut fuir, ça peut pas. En avant. Il y a des mecs là-bas, tiens. Mais bon, mes archers sont partout, ils vont faire les petits dégâts. Faire les dégâts qu'il faut. Déplacez-vous, j'ai dit. Allez, déplacez-vous. Merci. Pelon, vous êtes dur de la feuille, les gars. Après, ce qui est bien, c'est que l'IA est con, donc... Ah bah. Des mecs qui fuient, je vais envoyer mon général pour poursuivre les fuyards. Voilà. Vous, revenez en arrière. Vous, on fait une sortie. En avant. Là-bas, il y a des mecs qui fuient. Poursuivez-les, vous arrêtez pas. Musique épique. On a des victoires, mais elles sont pas évidentes, hein. Notre cavalerie qui a réussi à sortir du coup pour faire ce qu'il faut. Notre infanterie qui se bat. Tuez-les tous. Nos archers sur les murs qui continuent de les allumer. C'est bon ça, c'est bon. Bougez. Le peu de troupes qui me reste, je vais le laisser là. Dieu nous garde. La moitié de nos hommes ont péri. Eh bah ça, oui, tu m'étonnes. Et on massacre les fuyards. Là, ils sont pas beaucoup. On massacre. Les archers, ils sont là en position. Reformez-vous, les gars. Voilà. Ici, il se passe quoi? Mes gars sont encore en train de se battre ici. Oh là là, attention, ça crame mes propres hommes, bande de connards! Il nous faudrait l'intervention de l'éternel ou un coup de génie militaire pour arracher une victoire de cette débâcle. Oui, oh, ça va le faire. J'ai beaucoup d'archers encore. Nous avons beaucoup d'archers, nous pouvons nous en servir. Bon, ils font quoi eux là-bas? Ils essaient d'avancer. Ah, mes mecs se replient. Mes hommes se replient. Et toujours mes archers sur les murs. Ils se battent là? Comment ça ils se battent? Non, vous battez pas, vous tirez sur les connards là. Allez. Comment ça vous battez? Non, vous tirez. Allez, décochez. Décochez les flèches. Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi décimé de moitié. Quand même. Hein. Beau bordel cette histoire. M'en fous, tous mes hommes se regroupent. Soldats, regroupez-vous! Et puis mes gars, ils sont épuisés, ils sont en état d'épuisement absolu.
Là, je massacre des fuyards, nos archiers. Allez là, tenez bon les mecs. Ah ça commence à grimper là. Archier. Décochez. Il va rester 50 pecnos pour défendre la ville, ouais mais c'est ça, c'est la force là, il va y avoir plus personne. Prions pour que le cours de la bataille se renverse, car la défaite semble inéluctable. Ah attendez, là, il y a des mecs, tuez-les. Ah vous tous, vous êtes plus nombreux. Malpeste, l'ennemi s'est arrogé les murailles. Ah non. Résistons, les salauds. La défaite sera nôtre. Il est pas encore 11h, il est pas encore 11h les gens. Là on termine la bataille et après oui là j'arrêterai le live. Mais là on a encore le temps. Ah bah attends, ils se sont repliés du coup. Oh ils se sont repliés. On les massacre. En fait je vais gagner parce que leur général est mort. Et comme je contrôle encore je contrôle des tours partout encore. Et que je tiens. Puis les archers là-bas aussi qui continuent de tirer en plus dans le tas, c'est. Et puis il mise à ranger les murailles mon cul, ouais. Allez-y, chopez-les tous. Leur général est mort, ils n'ont plus de courage. Dégagez-vous. Ah regardez, ils sont là. Chopez-les. Ils sont buggés sur le côté, chopez-les. Il y en a qui sont là, ouais on les attrape et d'autres qui les ratent. Ah, j'ai des archers qui fuient, ça y est. Notre général pendant ce temps-là qui fait des petites qui capturent. Et toi, le XP, allez. Bon, d'accord, si tu n'y arrives pas. Allez. Bon, on va laisser tomber ce qui se passe dans la ville. On va laisser mon général faire un peu s'amuser. Voilà, là, ça fuit. Là, ça va fuir. Voilà. Capturer des hommes. C'est ce qu'il faut. Là, il y en a encore qui veulent fuir. Chopez-les. Oh là, ça a cramé là. Pour l'heure, la bataille est en notre faveur. Ouh là prions là. Pour qu'il en soit ainsi. Les pleutres d'en face. Oui. Fondons sur. Oui. C'est une victoire, bordel. Elle était dure celle-là, mais c'est une victoire. Alors, elle était dure cette bataille. Voilà, chopez-les tous. C'est ça un vrai général. Ça chope les mecs et ça les encule. Voilà. Voilà ce qu'on veut nous. Des vrais mecs. Ah putain mais par contre j'ai perdu une quantité d'hommes. C'est... Ah, le prochain... Si les mecs ils décident d'envoyer... Tais-toi Croque-Mou. S'ils décident d'envoyer une autre armée durant la campagne juste après, je suis dans la merde. Mais littéral. Bon bah très bien. Hein. On a pris cher, voilà. Résumé de cette bataille, j'ai pris cher. Allez, on va regrouper un peu tout ce petit monde. Hein. On va faire une petite aide d'honneur pour les vainqueurs. Voilà. Et le général qui arrive, voilà. Allez, hop. Plus vite que ça, général. Allez, hop. Mais gratte l'oreille, oui. Accueillons notre général. Car il est toujours vivant. Il a fait ses preuves. Qu'est-ce qu'ils foutent? Allez, avancez. Essayez d'être con. Voilà. Allez. Voilà ce qui reste des défenseurs de la citadelle. Ils étaient nombreux. Beaucoup sont mourus. Mais nous avons gagné. La moitié de la ville est morte, cela dit. Et bah là, c'est... Voilà, là, c'est beau. C'est très beau. Voilà, j'apprécie ce que je vois. Là, ça fait plaisir. Voilà, l'armée de France. Garde du corps. Voilà. C'est une belle victoire. L'ennemi est exterminé. Oh, putain, ouais. Il reste que 21 personnes. C'est une très bonne victoire, là, quand même. 21 personnes qui ont survécu. Après, l'IA est un peu con dans le jeu, quand même. Mais tu flippes quand même quand t'as une grosse armée. Rançon. Vous avez l'argent? Vous avez l'argent? Sage décision. Eh ben non, ils ont refusé. Donc vous êtes exécuté. Ah putain, il y a un autre siège là aussi.
Quel bordel. Eh bien, nous, on va s'arrêter là. Hein, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup. Le YouTube, en tout cas. Attends, j'ai bien sauvegardé. Je sauvegarde une seconde fois, parce que j'ai un gros doute. Voilà, sauvegardé. On va s'arrêter là, encore une fois, mes chers amis. C'est un sacré merdier, il faut le dire, hein, voilà, c'est un sacré merdier ce qui nous arrive là, dans cette partie. J'en peux plus, cette campagne devient un énorme merdier. Je peux même pas me faire d'économie, c'est dur, ça rend fou. Bon, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait le YouTube, à commenter, machin, bref, vous connaissez la chanson, partagez, genre de conneries, et encore merci aux donateurs de votre soutien. Donc, sur ce, salut YouTube!